On était clair dans l'engagement du président de diriger un. Même dit le pape diriger un, si le président, président qui s'allie, c'est parce que c'était vrai que le président au moins t'ait montré la présidence du pays. Mm-hmm. Le président n'est pas en mesure de diriger le pays, c'est qui? Mm-hmm. Président aujourd'hui n'a pas qu'à répondre à un besoin de la population en matière de sécurité. Mm-hmm. Président, c'est l'imagine, si on parle avec le journal, la plus c'est pas lui-même, c'est la police. Mais il est le chef de l'État et les grands signaux doivent partir du président de la République. Aujourd'hui, il y a la justice par le rôle. Lorsque vous parlez à la présidence ou la justice, la plus c'est CSPJ. Mais il est le chef de l'État et par conséquent, celui qui est capable de convoquer une rencontre de travail avec un trois pouvoirs de l'État. Jean-Pierre, président sous 2 ans et 7 mois, présidence et Jovenel. Pas gagné, nous qui représentons nous, le international comme chef de mission, qui est ratifié, qui portait politique publique que Haïti et un bail sans vie qui nous recevoir nous dans les étrangers. Ça, c'est un gros problème que lié. Donc, imagine le président a parlé, le parlement des questions, le acte de parlement qui n'a pas fait travail. Mais le président a une majorité au niveau du Sénat, une majorité au niveau de la Chambre des députés. Qui s'en fait de lui? Il va comparer qui s'en fait de lui. Maintenant, nous avons conclu, effectivement, que nous tous nous devons dans un bloc avec le président Jovenel, qui démontre capacité pour le diriger à travers le discours de campagne. Mais nous arrivons malheureusement, comme nous disons au pied du mur, qu'on reconnaît les vrais maçons, eh bien là, nous trouvons de boss maçon, le premier ministre. Alors, bluff ça que nous t'apprends là dans l'an, ou bon, ou prends là dans le tout, parce que nous sommes récemment, où tu es à vrai qu'on t'a voté candidat Jovenel Moïse. Effectivement, nous prenons là dans. Et j'assume. Mm-hmm. Nous prenons là dans. Mm-hmm. Maintenant, je dis à nous, il faut côté des problèmes, président pas qu'à diriger. Qui c'est qui a fait? Mon nom est dit, si président pas qu'à diriger, c'est pour le vivre pour la vie. Moment. Nous clair sous ça. Ou pas qu'à diriger, le télé pour remplir vos fonctions, ou pas qu'à remplir vos fonctions, c'est pour vivre pour aller. Maintenant, s'il dit, elle voulait rester, faudrait-il bien que le cas mette costume chef d'État sous lui. Pour le dire. Côté le bois, il y a une costume, ça, sénateur. Est-il? Côté le bois, il y a une costume. Alors, ça, c'est OPL. Et... Oui. Ah, oui, OPL. Mais non. Bon, président, pendant plus d'un an déjà, sénateur, il montre qu'il n'a pas fait rien dans le pays encore. Et où même reconnaître ça? Où reconnaître ça? Mais qu'on n'y a pas mandé pour le mettre costume chef d'État à côté de la Bionni? Jusqu'à présent, il est encore jusqu'à maintenant. C'est bon, le point de débrouiller. Mais son foulette, et jusqu'à quand on va parler, voilà, mon coin, c'est Monsieur Jovenel Moïse qui est président. C'est costume président sous lui jusqu'à présent. Moment, vérité. Donc, il y a là les capacités pour le tarier, le pouvoir de l'Italien, pour le chita à Dieu, pour garder qu'est-ce qui est dans l'ordre des choses possibles. Je vous dis bien, dans l'ordre des choses possibles. Parce que la population n'a pas qu'à continuer à prendre la rue, à énerver, à préparer, à prendre gaz lacrymogène, et qu'on est là, ou qu'à ouais, qu'il y ait une radicalisation de mouvements qui veulent faire parce que le monde a sorti avec Sam, avec Manchette, avec Roche, avec tout ça, où je viens de la rue. Ou pas qu'à quitter la population pour payer la guerre civile, juste avec appui et l'autre. Mais c'est mais pour ça, président travail, c'est ça le moto qui a fait. C'est provoquer la population, préparer pour aller faire des chômages du patrimoine. Oui, alors, sénateur, moi, c'est que. Donc, vous voulez dire que le président doit partir s'il ne peut pas s'asseoir avec tout le monde, s'il ne peut pas convaincre tous les secteurs à s'asseoir autour d'une table. Moi-même, je mettais en doute appel que le président fait pour dialogue. Signal FM. Et président, le problème est que l'Elfine dit ou dit président, il fait tel bagage du pays. Il dit oui. Convenez, c'est pour me faire d'ailleurs. Il va occuper. Alors, ce que vous devez animer de très bonne volonté pour aider le pays, mais le président, c'est le plus. C'est pas le président. Il y a plus de 20 ans de monde qui a dit que c'est bon garçon. Donc, c'est le problème. Je dis à la situation qui est arrivée là, se tête posée pour réfléchir parce que nous n'avons pas rien pour une case encore. Nous n'avons pas rien pour une case encore. Nous finissons comme nation. Maintenant, c'est garder comme nous avons élevé nous.
c'est là pour que nous disions. Donc, on va gagner avec une proposition concrète. L'homme d'avoir dit 1, 2, 3 dans cette conjoncture actuelle parce que le pays n'a pas qu'à attendre encore selon lecture en pile mon avisé. Donc, quelque chose doit être fait. Mais ça que vous avez fait là, qu'on y avait qui? Mm-hmm. Président était accroché à pouvoir malgré opposition mandir pour l'aller. Président Jouen appuie aux certaines franges internationales là qui dit y a couru état du droit, par conséquent président doit faire mandat. Mais moi dis au clair, si il y a la durée du mandat qui inclut un mandat, mais qu'une mission en tout pour que les combats aient la paix pour être capable de juger. Maintenant, puisque le président n'est pas en mesure de diriger et tout le monde le voit. Je tiens à me penser, c'est quand lui-même il reconnaît l'incapacité. Hein? Et s'il reconnaît l'incapacité, il n'a qu'à faire appel aux trois pouvoirs de l'État pour décider. Décider à calabriser pour dire, attention, je veux le mettre sous tutelle, on l'a mis sous tutelle, c'est pas lui-même qui a décidé le vrai, mais un trois pouvoirs dit, allons faire une conjugaison pour nous dire qui s'en est à côté comme réponse à la population, ça c'est qu'à vouer. Un petit brin de d'espoir par la population. Mais si on n'est pas capable de tout, les cachita avec ton pouvoir politique, qui est ce nombre de pouvoir, au moins nous conduisons au révolution qui garantit la population nos alliés là. Parce que on n'est pas capable de responsable pour le répondre libre à du pouvoir, avec une classe planification, si nous ne pouvons pas tomber dans le même bagage après 2004. J'ai entendu des leaders politiques d'Abdi, particulièrement le secteur Sorel, le cas d'un conférence de presse qui dit nos machines ne peuvent pas acheter une grande bataille pour place devant. Vous entendez tout, Myriam Merlet, lorsque le président Aristide Tabrali, mais on continue à dire Myriam Merlet mourit le 12 janvier. Il dit pas de question de. Après Aristide, alors c'est président, c'est le premier ministre Gaclum qui pose une question, il dit mes amis, je demande pour Aristide aller, qui mécanisme a pris pour nous remplacer, qui est-ce qui a remplacé. Et Myriam Merlet répond, il dit, ce n'est pas une question de qui Jean Aristide pour aller, qui est-ce qui a remplacé, nous sommes question dans la main, on nage pour une sortie. Nous sommes sous le sud, nous sommes sous le sud, nous sommes sous sable, nous sommes sous sable. Et puis tout le monde dit, oui, le président Aristide allait commence à payer. Je tiens à me penser, il est important pour les forces vives de la nation. Qui ont même administré pour le départ du président Jovenel, qui est moi-même qualifié incapable, pour nous réfléchir là pour nous comment, après l'aléa, comment on a fait les pays. Pour ce pas nous qui avons marché pour cette monde, pour ce pas nous qui avons marché pour les affaires monde, pour ce pas nous qui avons réglé pour le fait qui ont gagné à nous déjà après le final. Mais pour au moins, nous gagnons plan. Le plan, que l'on veut ou non, c'est dit, il n'y a pas qu'à pas passer par le dialogue national là. Qui pour dire qui paye nos besoins dans 5-10 ans. Parce que je tiens pile mon souhait, car si vous président allez, quand il vient dans la place président demain matin, il n'y a pas de faire. Et on va mettre un lit pour payer. Moment, vérité. Parce que nous avons le gouvernement, quand nous connaissons, nous partons à payer à l'encoin 0, mais dans 50 ans, si vous nous dites la route, il y a le Sénat 20 dans 30 ans, il y a plus de meilleur pays qui va y aller. Bien, sénateur. Mm-hmm. Alors, en guise de conclusion, une réaction sur démission commissaire au gouvernement Bateau-Prestant? Moi, pourquoi je maîtriser tout ça, monsieur? Moi, seulement, lis toutes les lettres de démission, lettres de nomination. Promotion? Moi, lettres de nomination de notre commissaire-là, il est en chaud. Et puis, on passe bon. Puisque conjoncture, là. Nous sommes obligés de priorité à la conjoncture politique là. Je ne vais pas garder ça. Cependant, moi, comme sénateur et ancien commissaire gouvernement, je reconnais que le poste de commissaire gouvernement ici en Haïti, son poste qui est gestable, et que le commissaire gouvernement, comme magistrat, assez souvent, et caractère qu'on frappe avec des questions et représentants de l'exécutif qui est le système justice. Donc, ça peut assez souvent créer. Ou bien on fait une démission et continuer la démission, ou bien nous-mêmes nous évoquer. J'ai envie de le révoquer. Maintenant, moi seul, je regrette que nous perdions technicien dans un village, dans la mesure où village c'est quelqu'un qui connaît le droit et qui a un caractère
je pense que c'est qu'à gagner possibilité pour nous de cohabiter et nous de mettre des projets au service de la nation. Alors, sénateur, bon, là, je voulais parler à Jean-Renel Senatus, avocat et commissaire du gouvernement. Et c'était un gros débat à savoir et parquet de mettre Action publique en mouvement en matière de flagrant délit, les immunités tombent, etc. Là, nous n'en cas sénateur Fétière qui était dégainé sous la cour parlement et qui était atteint de citoyens, au moins un journaliste photographe. Sénatus, commissaire du gouvernement, ferait quoi? Là, le cas difficile parce que c'est sénateur en fonction, mais faut-il déposer chapeau sénateur, mettez manteau commissaire du gouvernement avec toute fougue que me sont géants et puis que dit la loi, qui ça que t'as dû faire non cas comme ça. Ma réponse non petit pour me dire. Si qu'on douleur que me gagne avec présidence Jovenel Moïse, c'est que l'État livré à lui-même en toute matière. Non, en matière de justice aussi. Moi, estimé par les autorités de l'État qui campait en d'un pays, n'ont aucune juridiction. Si ce n'est quelques actions, qui se émaillent, qui ont fait dans certains parties. Moi, estimé des autres saillants capables de mener nous dans une anarchie totale. Et que le commissaire du gouvernement qui a un rôle pour jouer, qui n'ont pas l'idée de jouer. Parce que moi-même, je connais siège là, je connais la politique qui entoure siège là, assez souvent, je suis très précautionné. Des autres qui font dans le Sénat, il y a un pile de commissaires au gouvernement qui ont mis l'action publique en mouvement contre nous. Contre les gens qui profanent l'espace là, contre les gens qui viennent agresser les gens, qui menacent, contre les sénateurs qui ont même tout. L'entrée dans le vote qui est là. Vous posez une question sur le sénateur et. Ralph Fétière. Lorsque M. le commissaire du gouvernement, il y a un problème qui était parti entre le sénateur et Lambert et le sénateur Steven Benoît. Souvenez-vous bien, au bon après-midi, le président Martin dit qu'il y a un passe polio. Sénateur, ça nous monte dans la radio, dit tout pour notre la caillou parce que prend le coup il y a 5 heures. Et dans le moment où il s'est appuyé, mon café, mon père du machin, c'est une machine qui a dit que mon poignet de café, etc. Moi-même, comme commissaire du gouvernement, on était dans le paquet lorsque j'ai dit qu'il y a un coup, rapidement, m'écrit ministre Brunache, pour me demander, mettez le sénateur disponible pour moi pour expliquer pour qui ça a détruit le public. Tenez bien, moi-même, moi, c'est 40 de notre public comme commissaire du gouvernement. Mais juger infraction contre notre public là, c'est au courant de l'intervention publique. Mais moi-même, j'ai fait travail par non, pour me demander des ministres, mais qui est disponible pour un pas de carré pour le sénateur Vignon. Non, alors, cas ça différent, on a parlé d'une situation de flagrance. Jean-Renel Senatus, commissaire du gouvernement, ferait quoi exactement? En situation de flagrance. Le commissaire du gouvernement n'a rien à faire que de dresser le procès verbal sur flagrance et puis émettre mandat d'amener. Donc, tu as donné mandat d'amener contre le sénateur Fétière. Je vous réponds sur le but de la loi. En matière de flagrance, le commissaire du gouvernement, il dresse son procès verbal sur flagrance et lui agit par la suite par un mandat d'amener. Il y a un mandat d'amener. Mais une fois la contrainte pas encore effectuée, quand même. Son sénateur de la République, son sénateur en fonction. Non. Une fois t'as une contrainte pas encore, donc il doit mener monsieur devant corps qui appartenu à lui pour décider. La procédure est tracée. La procédure nous dit que quoi? Une fois pour arrêter un parlementaire en fonction, c'est rapidement conduire devant l'assemblée qui appartient à lui. Et l'assemblée à lui-même, ça veut dire pour le faire, la levée immunité pour le libérer par la justice. Mais le cas du sénateur Fétière est beaucoup plus complexe que ça l'a analysé la justice. Parce que moi-même, je fais droit pénal spécial. Mais qui moi-même, je fais droit pénal spécial. Pour qu'à comprendre la situation de Sayo, c'est des situations parfois politiques à embrasser,
et les capables même détruire juridique là. De la mesure où le sénateur, lui, il dit avoir été agressé. Et à travers la pièce, on voit que c'est vraiment qu'il était agressé. Mais est-ce que tu as une proportionnalité entre agression et réponse là? Quand un sénateur et l'autre monde parlent de légitime défense, moi je ne me parle pas comme juge. Bon, vous pensez que c'est le tribunal qui peut déterminer ça tout? C'est le tribunal qui peut déterminer ça quand même. Effectivement, c'est à la chambre de conseil, ou du moins un cabinet d'instruction, qui doit apprécier la légitime défense. Cependant, moi-même comme juriste, aucun aller sans les excuses légales de provocation sous ta devant au tribunal ou à plaider. Dans la mesure où, si le sénateur arrive, j'en remonte la vidéo, les fermer porte-lui. L'autre n'est qu'à aller porte là pour dire des zones ou qu'à parler d'excuses de provocation. Mais là, vous pouvez imaginer qu'il y a une hypocrisie enragée dans la société qui veut accepter certains comportements lorsque c'est tel monde qui est en question et qui ne pas accepter lorsque c'est tel monde qui est en question. Je veux quand même penser que c'est important pour nous sortir dans le cycle de violence là. Pour nous apprendre et continuer à réapprendre, respecter l'intégrité physique. Nous ne pouvons pas parler à gauche, nous ne pouvons pas parler à la commune, mais nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire dans le coup, nous ne pouvons pas faire les hommes sous lui, nous ne pouvons pas piquer la soleil, nous ne pouvons pas faire des autres avec lui. Parce que l'intégrité physique, c'est quelque chose de sacré, même si l'intégrité physique, l'autre monde tout, c'est sacré. On est moins bien le chrétien qui a privé là, parce que nous pouvons aller vers une société de sauvagerie. C'est pas une trop bon pour nous, nous pas qu'à prendre image ça. Malheureusement, c'est parce que nous-mêmes qui autorité l'homme dit nous-mêmes, moi-même, tête moins là dans le tout, parce que appartenu à un corps qui pas joué un rôle qu'il t'a dû jouer à. Malheureusement, nous, quand nous mettons la population dans la situation pour essayer de capitalement qui comportement que dirigeant le cadre de même si les petits pour nous dire. Les bon pour nous apprendre de passer nous, pour nous apprendre de s'accapriser là, pour qu'à l'avenir, c'est ça. Pour créer les dirigeants qu'il nous faut à la place. Ah oui, ça c'est fondamental. Autant que nous votons en dessous, autant que nous votons en tête chargée, autant que nous votons sur un courant, non seulement sur foule, c'est autant que nous avons un monde qui nous a mettés dans le poste qui pape capron. C'est ça. Mais avant d'aller quand même, sénateur, en 30 secondes, et si l'on considère les derniers remous de l'actualité sociopolitique, si l'on considère les déclarations faites par le président Jovenel Moïse, qui a tendu la main à la formation d'un gouvernement d'ouverture, d'union nationale, quel est l'avenir de Fritz William Michel et de son gouvernement, non, d'après vous? Pardon? Vous sortez déjà? Moment, vérité. Oui, William Michel parle là encore. Mais ça me regrette, parce que le jour où nous, William Michel, je ne vais pas voter pour lui. Je vais voter parce qu'en un premier temps, nous avons dit dans la première séance là, puisque le patron de là, nous avons regardé qui ça dossier au lieu. Si techniquement, le normal, nous fait abstention. Mais l'un des pires scandales qui était autour de lui, nous dit attention, moi je ne vais pas voter dans la ligne William Michel. Et les mêmes personnellement, je l'aime. Je dis le PM, pas qu'à voter pour vous, parce qu'il y a trop de scandales qui entouraient les nominations. Maintenant, moi je regrette son jeune garçon qui vivait les médias au service paysan, mais moi je regrette tout que l'institution judiciaire fasse ce travail. Parce que Peggy, là, on a fait justice, faut attendre le moment de vérité chaque samedi. Là, on fait justice, faut attendre les ramasser, faut attendre pour faire, faut attendre pour faire monitoring au niveau de couvert. C'est pas une opération. Pour qu'on ait qui a capturé de eux. Et on sait que la loi, qui côté la loi permettre l'autosaisine de l'autorité judiciaire. Ça, on va même bien dire que une votre lettre par où, une votre presse, une votre dénonciation, l'autorité qui a saisi automatiquement le dossier de le commissaire du gouvernement. Malheureusement, je vous dis, il y a un pile monde qui est indexé, par exemple, au niveau du Sénat. Il y a un ticket, c'est la tête qui est en nommé, il y a un ticket qui est en nommé. Est-ce qu'il y a une action qui allait, qui est une action judiciaire? Qui Kavin dit, est-ce que les dénonciations ça a été faites correctes, ou du moins, est-ce que c'est des fausses dénonciations qui ont été? Non. La petite est passée comme une dans la fosse. C'est ça que le peuple a énervé tout.
Là, regardez nos institutions, pas jouer au rôle, nous, et bien, lui-même, le vidéo, dit, moi-même, je ne peux pas demander à vous jouer au rôle, mais je ne peux pas jouer au rôle. Mm-hmm. Oui, mais quand même son gouvernement nommé et qui joue Naval Chambas là, en attente d'être sanctionné par le Sénat, donc, ou quoi que conjoncture politique là, balayé Fritz William Michel et son gouvernement? Président, non, pourquoi on l'a arrêté, non? Non, président, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, pas avec qui pour décortiquer les messages politiques là. Si il y a un gouvernement qui en attend, le président va l'autre au gouvernement d'Union nationale, ça veut dire que ça va tomber. Maintenant, il ne nous reste qu'à attendre que non, William Michel a participé pour le président pour dire retirer la bagarre ça. Mais c'est sûr que par exemple, nous William Michel au bord. Merci un peu, sénateur Sénatus. Merci un peu. C'est tout plaisir, on n'est pas là avec vous. Alors c'est pas vous qui me dites merci, c'est le peuple là qui me dit merci. Mes frères, très bien là, sénateur. Merci.